Tu l'as compris, c'est la course au vaccin avec de nombreux participants. Ah mais je suis toujours dans la vidéo d'hier. Allez vas-y, change-moi ça. Ah bah voilà, j'ai retrouvé mon t-shirt. En plus, ambiance tamisée, on est bien. Nous disions donc que cette course au vaccin donne beaucoup d'espoir dans une optique de moyen terme. Et en attendant, la réalité à court terme est tout autre. Du coup, cette semaine, ça nous a donné beaucoup de phases de marché que nous allons décomposer en trois phases. La bougie Moderna. Moderna a donc annoncé lundi son taux d'efficacité à 94,5%. Oui, soyons précis. Et là, tu t'en doutes, les marchés, bim, on accélère. Alors, accélère vite fait quand même. Hein. Oui, parce que le marché avait déjà l'info. On sait qu'il y a de multiples candidats, comme tu l'as vu dans l'intro. Ça rassure, mais ça change pas l'ambiance qui est déjà optimiste. En fait, c'est comme si tu connaissais déjà tes cadeaux de Noël à l'avance. Oui, les enfants, je m'adresse à vous, notamment Cameron, si tu m'écoutes, parce que je sais que maintenant, vous êtes de plus en plus nombreux à montrer ces vidéos à vos enfants. Donc, merci à vous, ça me fait vraiment plaisir. N'oubliez pas votre liste de Noël. Et oui, parce que ça va vite arriver. Bref, les chiffres du lundi, c'était les ventes au détail aux États-Unis ressorties inférieures aux attentes, sachant qu'en plus, le chiffre du mois passé a été révisé à la baisse. Nous saoule pas avec tes chiffres macro, on s'en fiche, voyons plus loin, achète, c'est pas grave. Ça, c'était lundi. Et du coup, ça nous donne la bougie Moderna. Effectivement, la bougie Moderna est quand même un peu moins puissante que celle de Pfizer. Hein. Petit joueur. Oui, donc Pfizer, d'ailleurs, qui a terminé ses essais de phase 3, 95% de taux d'efficacité. Le marché s'est dit, c'est cool, pareil, on connaissait le cadeau à l'avance. Maintenant, fais la mise d'autorisation sur le marché. On verra plus tard. C'était la première phase de marché, ça a consolidé toutes les bases qui étaient déjà acquises depuis le retournement de tendance de l'annonce du vaccin de Pfizer. Sur IVT, on a travaillé à l'achat, ce mouvement intraday et ce flux qui a été mis en place. Deuxième partie de la semaine, le retour à la réalité. Ça fait peur. Fermeture des écoles à New York, des cas records de Covid aux États-Unis, on dépasse les 250 000 décès. This was a blessing from God. La question est, est-ce qu'on va faire le Black Friday, ces fameuses promotions avant les fêtes de Noël? Et Amazon a accepté de décaler son Black Friday en ligne au 4 décembre, pour éviter bien évidemment que tout le monde achète sur Amazon avant que les commerces réouvrent. Et ça a été d'ailleurs plutôt accepté rapidement. Alerte maximale décrétée au Japon, des cas de record notamment à Tokyo, plus de 2200 cas recensés sur une seule journée, un record. Ça nous a donné du coup un retour de l'aversion au risque, remontée du yen qui est considéré comme une valeur refuge, donc repli des paires en yen, légère reprise du dollar américain. Tout ça a été appuyé par des demandes d'allocation au chômage aux États-Unis sur la semaine passée qui sont ressorties pire que prévu. 40 000 demandes de plus que prévu. Ça c'était en milieu de semaine, entre mercredi et jeudi, où on a fait que chercher finalement des ventes. D'ailleurs, oui, sur le Dow Jones, en clôture des la bougie était quand même pas terrible. Alors qu'en Europe, notamment au travers du CAC 40, et ben là, ça tenait quand même particulièrement bien. Ça, on était quand même pas habitué ces dernières années. Troisième partie, l'apaisement. Vendredi, on annonce une reprise des discussions concernant les plans de relance budgétaires aux États-Unis. La sale bougie sur le Dow Jones qu'on avait la veille, elle n'a pas donné suite. Ça a baissouillé, mais sans plus. Dans notre côté, le soufflet est retombé sur le dollar américain, qui était en train de surprendre un peu. Oui, parce que le dollar américain reste toujours dans cette tendance de fond baissière. Les paires en yens sursautent légèrement, donc repli du yen. Bref, le marché essaye de rebondir, notamment au travers du pétrole, qui est considéré plutôt comme un actif risqué, et l'indice de la peur, le VIX, retombe sous les 23. C'est quand même un petit apaisement. Finalement, toutes les tendances restent intactes. On a changé de fusil d'épaule dans une optique de swing trading, avec toujours cette fameuse bougie haussière et impulsive qu'on a eue avec le vaccin Pfizer. Et on estime que si on ne repasse pas 50% de cette bougie impulsive, on est toujours dans le flux. Et en intraday, du coup, avec ces trois phases de marché qu'on a eues cette semaine, eh ben, on a le petit pistolet. Parce que tu vois, le fusil d'épaule, oh, il est plus lourd. Tu vois, c'est un peu pénible de changer d'avis toutes les 3 secondes, alors qu'avec un petit Glock, tu peux le changer rapidement et t'adapter au flux de marché. Hop, 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 hop. Bref, tu m'as compris. Oui, c'est plus maniable. D'ailleurs, si t'es un adepte de CS, tu comprendras. Ça, c'est de l'intraday plus adapté au flux de la journée. Et sinon, si tu es expert, tu as le scalping. Le scalping en trading, c'est ouais, tu changes d'avis toutes les 3 secondes. 3 minutes, grand max. Donc avec un Glock, ça donne... Sinon, du côté microéconomie, bah, dans le reste du monde, finalement, les GAFAM, pour le moment, tout va bien. Alors oui, elles sont toujours très bien valorisées, mais elles ne baissent pas. Non, certaines sont toujours sur leur record historique, notamment Alphabet, donc Google. Bref, les technos, c'est pas fini. Tiens, d'ailleurs, et en parlant de techno, nous avons Tesla qui va rentrer dans le SP500. Du coup, l'action a réalisé des nouveaux records historiques. Normal, elle est chère, ça vaut rien. Mais... ça bourre toujours. Voilà, sortie de triangle. Bref, à chaque fois qu'il y a une conso latérale, bim, reprise de la tendance précédente. Et vu que la tendance précédente, elle est toujours haussière,
Ah ouais. Tiens, d'ailleurs, faisons une petite parenthèse par rapport à Elon Musk. Oui, ça va être notre fil rouge des débriefs hebdo, puisque vu qu'on pourra plus parler Trump, bah, va bien falloir trouver quelqu'un d'autre, une autre mascotte. Elon Musk, oui, qui aime bien quand même titiller, pour ne pas dire troller. Eh bah, ben, il s'est dit, tiens, allez, pour foutre un peu le bazar, je vais faire 4 tests de Covid dans la même journée. Et là, tu le crois, tu le crois pas, il y a 2 tests positifs, 2 tests négatifs. Même infirmière, même endroit, même machine, dans la même journée. Alors, oui, pour les explications, c'est parce que ce sont pas des tests PCR, avec le truc que tu rentres dans le nez, là. C'est un test antigénique qui cherche les protéines qui se trouvent à la surface du virus. Alors que le PCR, lui, cherche l'ARN du virus, son matériel génétique. Et l'avantage de ce test antigénique, c'est qu'en gros, t'as le résultat en 15-20 minutes, alors que le PCR, tu le sais, faut quand même plusieurs jours. Et du coup, l'inconvénient, c'est qu'en fait, visiblement, c'est quand même pas très fiable. Sinon, ailleurs, il y a énormément d'activités, notamment opérées par Rodolphe au sein d'IVT sur les actions américaines. Il se passe toujours des trucs, quand bien même sur le marché, bah tu l'as vu, compris, cette semaine, c'était quand même moyen, sur ce qu'on peut appeler des pépites. Alors attention, elles sont quand même très liquides. C'est-à-dire qu'il y a énormément de volume d'échanges. Ça peut te donner éventuellement des idées. Mais fais gaffe quand même aux trucs pourris, faut être quand même un peu expérimenté. Je parle par exemple sur le marché français d'Europe Car, qui a fait des variations de folie toute la semaine, plus 50, moins 30, plus 16. C'est suspendu toutes les 5 minutes. Et quand l'action est suspendue, bah si t'es dans le mauvais sens, tu peux pas sortir. Et là, tu commences un peu à mouiller la culotte, quoi. Enfin, pardon. Donc, attention, c'est très dangereux. C'est pas non plus hyper liquide. Donc, ça veut dire que tu rentres pas, tu sors pas quand tu veux. Surtout si tu prends des tailles de position qui sont supérieures à 1000 euros. Il y a peut-être des trucs un peu plus simples, tu vois, en tendance, qui bougent peut-être un petit peu moins pour éviter de se faire peur, même si certains cherchent l'émotivité et le fric facile très rapidement. Voilà, c'était un petit message d'avertissement. Me concernant cette semaine, alors j'ai surtout travaillé notamment sur le forex, par exemple l'euro-dollar sur cette zone de résistance, donc en short, le NZD-USD, donc le dollar néo-zélandais contre le dollar américain, dans le sens de cette tendance qui est toujours haussière, même si on commence à arriver sur des niveaux mensuels très importants. Comme on dit, trend is your friend. Le NZD chez HF, lui, qui a présenté une configuration quand même technique que tu retrouves dans les bouquins, en triangle ascendant, donc tu as une oblique de soutien avec des plus bas de plus en plus haut, et une résistance, où ça s'appelle ça plutôt un bouchon, ou quand ça pète généralement, bah tu poursuis la tendance précédente. Et le gold, ça tu sais, je te le saoule quand même depuis plusieurs semaines, que ce soit ici ou que ce soit sur IVT, à l'achat autour de cette zone des 1860$. Donc oui, on l'a travaillé cette semaine, il a réagi en fin de semaine, mais pour le moment rien n'est acquis, parce qu'à chaque fois qu'on a des rebonds, bah c'est quand même relativement vendu, les rebonds sont limités. Et bien évidemment, l'ensemble de l'équipe IVT a travaillé en intraday sur les indices dans les différentes phases de marché que je t'expliquais tout à l'heure. Donc au final, la macroéconomie, bah rien n'a changé. On a une réalité à court terme qui est toujours pas terrible, avec à l'opposé un optimisme énorme à moyen terme. Et c'est tout à fait normal parce que le vaccin va arriver. Quand, comment, le stocker, machin, ça c'est toutes les questions auxquelles il va falloir répondre. On a toujours des va-et-vient en intraday, sans pour autant changer les configurations daily. Et encore moins sur les autres unités de temps. Regarde ici les différents niveaux clés et les configurations des principaux indices. Voilà, comme ça au moins ça te permet peut-être de te repérer et de donner quelques idées. Nous n'avons pas d'aversion au risque très fort, que ce soit au travers des paires en yens, mais également du dollar américain, encore une fois, qui reste toujours en tendance baissière très forte. Bonne nouvelle, a priori, les plans de relance vont arriver, et tout ça, bien évidemment, soutient l'optimisme, parce que pour le moment, la reprise économique n'est pas là. Et dans certains endroits, on n'a pas déconfiné, tu vois, comme chez nous en France, quoi. On fera le bilan du quatrième trimestre au travers des entreprises, donc dans 2-3 mois, où il va falloir quand même compter quel était l'impact de cette seconde vague, et c'est probablement à ce moment-là qu'on fera le tri, tu sais, la fameuse reprise en K, entre les valeurs sur lesquelles finalement ont publié soit mieux, soit moins bien que prévu, et également sur leurs prévisions éventuelles. Le marché, ce qui l'intéresse, ce sont les prévisions. C'est les chiffres du passé, certes, il y a des surprises, mais c'est surtout quels sont les projets et comment est-ce qu'ils voient l'avenir. Et oui, je vais pas te lâcher maintenant, parce que the envolé de la semaine, c'est le Bitcoin, autrement dit le Bitcoin. Il a tout pété, alors presque, parce qu'il n'a pas encore pété ses plus hauts historiques, 18 000 $. On revient finalement au point d'achat de Nabila. Pas vendu, pas perdu. Bah oui. Donc là, c'est une fusée. Et là, très probablement, tu dis, bon, d'un point de vue technique, du coup, où on peut aller? Alors, bon, comme d'hab, tu sais, t'as des... C'est 30 000, 40. 40, 50, 300, 1 million, 10 millions. Bon, alors la seule chose qu'on peut tracer d'un point de vue technique, ce sont des obliques de soutien simplement pour matérialiser cette tendance haussière et dès qu'elle pète pour te dire, bon, ça y est, on va rentrer dans une petite phase de conso. Et tu dis, fin de l'ascension à court terme, on marque une pause,
on consolide les bases, les supports, et après ça repart. Sinon, à part ça, ça reste de la vision. D'ailleurs, nous allons poser la question tout de suite à notre expert du jour du débrief hebdo. Et oui, il est là. Tu le connais, c'est le numéro 1 francophone des cryptos, on va le dire comme ça. C'est Asher qui est déjà intervenu dans cette vidéo, donc bienvenue à toi pour nous faire un point sur le Bitcoin. Qu'est-ce qui se passe d'un point de vue fondamental? Qu'est-ce qui a changé? Pourquoi ce mouvement? Et la deuxième question, c'est l'Ethereum aussi. Est-ce que du coup, il a quand même du potentiel? Qu'est-ce qui se passe là-dessus? Bonjour Xavier, bonjour tout le monde, et on va essayer de traiter deux points rapidement. Pourquoi autant d'engouement sur Bitcoin et surtout, pourquoi beaucoup de gens disent qu'Ether a énormément de potentiel en ce moment? Sur Bitcoin, un Bitcoin qui est à 18 735 $, on est samedi 17h, donc un tout petit peu avant que vous regardiez cette vidéo. Globalement, le Bitcoin est à 1 000 $ de moins que le top, c'est-à-dire l'ATH, l'all-time high, qu'il n'ait jamais touché en 2017. Effectivement, c'est un Bitcoin qui prend énormément de puissance. Il y a plein de raisons, la crise, les gens qui veulent se réfugier, des sondages qui disent que les gens préfèrent même les crypto-monnaies que certains métaux précieux pour leur investissement, et beaucoup de banques, beaucoup de fonds qui donnent une prévision du Bitcoin à 300, 400, 500 000 dollars dans les années qui viennent. En ce moment, c'est l'euphorie, on commence à en parler partout, et forcément, il y a un effet boule de neige de la médiatisation du Bitcoin qui fait qu'il y a beaucoup de demandes. Après, il y a quand même une annonce qui a lancer, on va dire, cet effet boule de neige qu'on voit grossir depuis quelques semaines, notamment la hausse du Bitcoin, c'est l'annonce de PayPal. PayPal, entreprise qui a déjà tout simplement insinué un mouvement numérique à l'époque où, dans les années 2000, ils ont dit « la monnaie sera numérique à l'avenir, on va accompagner cette transition hein. ». PayPal sont passés pour des fous à l'époque où c'était encore Elon Musk qui était aux commandes, quand il disait que le dollar et l'euro se devaient d'être numériques, de passer instantanément d'un compte à l'autre. Ils ont déjà réussi à amener ou à participer à cette première transition numérique, parce que c'est tout à fait normal pour nous d'avoir de l'argent sur nos comptes en banque et sur nos applications, alors que ce n'était pas le cas à l'époque. Et là, maintenant, PayPal vient d'annoncer, nous allons accepter les crypto-monnaies. Les commerçants qui acceptent PayPal accepteront eux-mêmes les crypto-monnaies, et lors de leur tout premier mois de vente, ils ont fait autant de volume que Binance US. C'est tout simplement affolant, et de se rendre compte qu'un géant comme ça, qui a déjà connu une première transition, et donc qui a une grosse vision sur ce marché, de savoir comment l'argent va évoluer dans le temps, devoir proposer les crypto-monnaies, ça a rapporté énormément de volume, et c'était pour moi le déclencheur de cette boule de neige médiatique qui fait énormément de bruit. Après, très dur de connaître s'il y a d'autres raisons au niveau des news, étant donné, comme tu le sais, très peu de visibilité en ce moment, un marché très opaque, une situation sanitaire catastrophique qui va toucher l'économie et donc la finance. Impossible de savoir ça vient d'où, mais en attendant, on est bien dans un cercle qui, depuis quelques semaines, est vertueux pour Bitcoin. Ensuite, Ether. Pourquoi Ether a autant de potentiel? Déjà, rappelons que d'un point de vue usage, énormément de crypto-monnaies sont basées sur la technologie d'Ether. C'est la deuxième plus grosse crypto-monnaie, d'un point de vue de valorisation. La quatrième, c'est Tether. Tether utilise une grosse partie de sa valeur sur la blockchain Ether. La cinquième plus grosse crypto-monnaie au monde, c'est Chainlink, basée sur le protocole ERC20, c'est-à-dire sur Ether. À côté de ça, en neuvième position, on a le BNB. BNB qui repose en partie sur la blockchain Ether également. USDC, un stablecoin de chez Coinbase, cette fois-ci, 13e plus grosse crypto-monnaie, repose en majeure partie même sur le protocole Ether. Bref, vous l'aurez compris, le moteur Ether est important à tout l'écosystème, notamment certaines de ses plus grosses valeurs. Et le moteur Ether, on attend qu'il soit plus scalable depuis plus de 3 ans. En 2017, il y avait trop de transactions, trop d'usages et les frais commençaient à devenir hallucinants. Pour envoyer de l'Ether, fallait payer 10 €. Pour activer un smart contract ou une fonctionnalité blockchain, ça pouvait coûter jusqu'à des centaines de dollars. C'était plus jouable. Pendant 3 ans, on a attendu cette mise à jour et là, on en voit enfin le début du tunnel, on va dire, pas la fin, mais au moins le début des travaux, étant donné que d'ici début décembre, on devrait lancer la phase 0, qui est la toute première phase, de cette transition vers un Ether qu'on appellera Ether 2.0, qui sera naturellement transféré pour tous ceux qui ont des Ethers aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas, vos Ethers fonctionneront toujours sur la nouvelle blockchain. Mais cette nouvelle blockchain pourra être vraiment plus scalable, jusqu'à 200 fois plus scalable, parce qu'elle pourra monter jusqu'à 10 000 transactions par seconde, des frais réellement amoindris, un réseau beaucoup plus fluide, des smart contracts et donc une finance décentralisée simplifiée. Et Ether avait touché 1 200 $ en 2017, il n'est qu'à 535 $ aujourd'hui, c'est-à-dire bien loin de retrouver sa valeur d'antan, comme l'a fait en quelques semaines Bitcoin. Voilà pourquoi beaucoup de gens disent que c'est la
position intéressante en ce moment. Encore une fois, tu le sais, je ne suis pas aussi technique que toi. C'est vraiment une analyse fondamentale. Faites bien vos recherches, creusez toujours plus. N'écoutez pas l'avis d'une seule personne. Faites vraiment une recherche globale. Intéressez-vous à beaucoup de crypto-monnaies. Mais je pense en effet que le monde de la crypto-monnaie prend beaucoup de valeur et est en vogue en ce moment. Les gens s'y intéressent. Et pour vous donner un petit ordre d'idée, entre le début du confinement où la valeur du marché était de 150 milliards, toutes crypto-monnaies confondues, en mars 2020, on est aujourd'hui à 540 milliards d'euros, c'est-à-dire presque un fois 4 sur la valorisation globale de toutes les crypto-monnaies qui existent. Xavier, j'espère que ça a répondu à certaines questions et que ça aidera un petit peu ta communauté. Si jamais t'en as d'autres, tu sais comment m'envoyer un message et on se retrouve à très bientôt. Au revoir. Et puis, passe sur ma chaîne un jour. Ça ferait du bien à ma communauté d'avoir une vraie bonne session d'analyse technique. Ciao, une bonne journée, au revoir tout le monde. Merci à toi, Asher, de ta participation et de l'actualisation de ce qui se passait d'un point de vue, j'allais dire, macroéconomique sur les cryptos. Tu reviens quand tu veux, avec grand plaisir. La semaine prochaine, on va quand même se concentrer sur les publications macroéconomiques parce que c'est vrai que cette semaine, c'était quand même relativement light. Donc, tu vois tout le calendrier ici. On va continuer à travailler le plus possible, notamment en swing, dans le sens des tendances de fond. Alors qu'en intraday, n'oublie pas, on sort le Glock, hop, on change de main rapidement. Et n'oublie pas, le lundi, le jour du vaccin. Voilà, hein, parce que visiblement, tous les lundis, un nouveau vaccin sort de la poche. Avant de nous quitter, je voulais simplement faire un message. Alors, il n'a pas l'info, mais il verra très probablement quand il fait le montage. Je voulais remercier FT pour toutes les heures qui passent pour vous faire les intros. Vous imaginez pas le taf que c'est. Vous imaginez pas non plus la rapidité à laquelle il arrive à s'adapter à l'actualité et à sortir ça le dimanche. Et franchement, c'est un boulot de dingue. Donc, j'en ai, je crois, quasiment jamais parlé depuis le début qu'on fait les débriefs et je pense que ça fait déjà quelques mois, voire même années maintenant. Donc, n'hésitez pas franchement à liker, à le soutenir. D'ailleurs, vas-y, affiche ta photo là pour voir. Donc, franchement, merci parce que sans lui, ces débriefs hebdo, en fait, ça n'existerait jamais. Et en fait, j'aurais jamais fait parce que, voilà, personne n'est remplaçable, mais là, je pense que c'est le cas. N'hésitez pas à soutenir tout ça parce que c'est un boulot énorme. Moi, je fais juste le guignol derrière la caméra. Après, voilà, c'est tout. Finalement, je ne suis pas grand-chose en fait. Un grand merci à vous, passez un excellent dimanche. Rendez-vous demain sur IVT, en live sur Twitch, sur tous les réseaux sociaux qui existent sur la planète. Alors, sauf TikTok d'ailleurs, peut-être qu'il faut que je me mette. Ciao !